Faux bonjour, si vous étiez déjà avec nous tout à l'heure pour la finale féminine remportée de Fribourg, donc qui s'est intégrée très très vite dans cette équipe, mais qui a eu un clash avec l'entraîneur de Massagno, Gubitosa, qui a retrouvé son club et qui finalement va terminer la saison avec Fribourg. Grosse défense sur Milan. Jankovic n'est pas forcément à l'aise quand il doit porter ce ballon. Ah, voilà, Roberto Kovac. Certainement le plus difficile des quatre qu'il a pris jusqu'à maintenant. Tellement, tellement handicapé pendant sa carrière, Jankovic, mais ça fait plaisir de voilà, la verticalité dont je parlais tout à l'heure. On revoit Jordan pour Couture. C'est spectaculaire, ça plaît au public. Qui allait au batailler pour le rebond à bon escient. Ballard. Magnifique fixation. Vous l'avez entendu avec Anthony Alexis. Le joueur le plus esthétique, mais quelle efficacité. Sur la de Jordan qui fait un superbe début. Deuxième carton en faveur de Fribourg. Il fallait que Carnot parte en backdoor en même temps. C'était là déjà, mais. Boxe! Waouh! Là, ça fait boxe dans toute l'étendue de son talent! C'est ça. Inspiré à chaque fois qu'il joue contre Fribourg. Il n'y a plus qu'un point! Il décide de prendre un peu de recul, de refaire souffler l'équipe, et derrière. Jordan Mbala à nouveau complètement. Là on a deux. On a les deux hommes du match là. C'est beaucoup plus flashy. Il est précieux, rebond.